augmente en nous la foi, l'espérance et la charité. Et pour que nous puissions obtenir ce que tu promets, fais-nous aimer ce que tu commandes. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, aujourd'hui, demain, pour les siècles des siècles. Amen. Saint Paul se réjouit du fait que le nom du Christ Jésus est annoncé et connu de la communauté de Philippie. Il a ainsi l'assurance d'avoir le salut au nom du Christ Jésus, d'où il déclare, soit que je vive, soit que je meure, le Christ sera glorifié dans mon corps. Nous allons écouter la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens, au chapitre 1, du verset 18 à 26. Frères, de toute façon, que je sois avec des arrière-pensées ou avec sincérité, le Christ est annoncé et de cela je me réjouis. Bien plus, je me réjouirai encore car je sais que cela tournera à mon salut grâce à votre prière et l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. C'est ce que j'entends avec patience. Et c'est ce que j'espère. Je n'aurai à rougir de rien. Au contraire, je garderai toute mon assurance, maintenant comme toujours. Soit que je sois, que je vive, soit que je meure, le Christ sera glorifié dans mon corps. En effet, pour moi, vivre le Christ et mourir, c'est mon avantage. Mais si, en vivant dans ce monde, j'arrive à faire un travail utile, je ne sais plus comment choisir. Je me sens pris entre les deux. Je désire partir pour être avec le Christ, car c'est bien préalable. Mais à cause de vous, demeurer en ce monde est encore plus nécessaire. De cela, je suis convaincue. Je sais donc que je resterai et que je continuerai à être avec vous tous pour votre progrès et votre joie dans la foi. Ainsi, à travers ce qui m'arrive, vous aurez d'autant plus de fierté dans le Christ Jésus du fait de mon retour parmi vous. Parole du Seigneur. Mon âme a soif du Dieu vivant. Ce sont mon âme a soif du Dieu vivant. Ce sont là les mots du psaume 41 avec lequel nous allons méditer. Mon âme a soif du Dieu vivant. Bon. Mon âme a soif du Dieu vivant. Mon âme a soif du Dieu vivant. Mon âme a soif du Dieu vivant. Comme un cercle altéré, cherche le vivre. Ainsi mon âme te cherche, toi mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu vivant. L'orgueil nous pousse souvent à rechercher toujours une position plus visible par rapport aux autres, d'où nous nous battons souvent pour les premières places. Mais le Christ nous prouve que l'humilité serait la caractéristique principale pour un chrétien. C'est là l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, au chapitre 14, verset 1, plus les versets 7 à 11. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons nous lever pour acclamer et écouter la bonne nouvelle du Seigneur. Alléluia.
sabbat, Jésus était entré chez un des chefs des pharisiens pour y prendre son repas et on l'observait. Remarquant que les invités choisissaient les premières places, il leur dit cette parabole. Quand tu es invité à des noces, ne va pas te mettre à la première place, car on peut avoir invité quelqu'un de plus important que toi. Alors, celui qui vous a invité, toi et lui, viendrait te dire, cède-lui ta place, et tu irais, plein de honte, prendre la dernière place. Au contraire, quand tu es invité, va te mettre à la dernière place, alors quand viendra celui qui t'a invité, il te dira, mon ami, avance plus haut, et ce sera pour toi un honneur aux yeux de tous ceux qui sont à table avec toi. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. La résonance, on dit un peu plus lent parce que les auditeurs auraient voulu entendre une certaine lourdeur dans la réponse. Mais Dieu a voulu que nous soyons ainsi ce jour où nous clôturons le marathon. Il n'y a pas de hasard chez Dieu. Et l'évangile d'aujourd'hui nous parle un peu plus. Dans l'évangile, il est question de la place. Mais aujourd'hui, nous en avons plein de places. Là, on dit, mais ceux qui choisissent les premières places, Jésus les a visés. Ceux qui choisissent les premières places, qui ne tiennent pas compte de l'organisation, mais là, de nous-mêmes, même si on aurait voulu être à la dernière place là-bas, mais de nous-mêmes, la beauté de notre paysage voudrait quand même qu'on occupe et toute première. Et naturellement, on aurait occupé la première place. Est-ce qu'on serait en déphasage avec l'évangile d'aujourd'hui? Non. Mais question de nous adapter aux circonstances qui se présentent à nous. Essayons un peu de scruter le mystère et l'enseignement que Jésus veut faire passer. Parce que ceux qui comprennent la parole de Dieu au pied de la lettre, mais chaque fois qu'ils seraient invités quelque part, le premier réflexe, comme Jésus a dit, c'est de nous asseoir à la dernière place. Non. Nous sommes faits pour être au premier rang. Et ceux qui s'asseyent en première place, nous qui avons les habitudes des conférences et des enseignements, on en sait quelque chose. Quand vous organisez quelque chose et que vous voyez les gens qui s'assoient derrière, très souvent ce ne sont pas des leaders. Parce que c'est les gens qui ne veulent pas être vus. Hein? Donc, ils veulent jouer au faux sens de l'humilité. Donc, ils veulent rester derrière. Mais au fond, on peut faire une autre lecture. Ceux qui aiment s'asseoir derrière, souvent, ce ne sont pas des leaders. C'est les gens qui aiment qu'on les pousse. Hein? C'est les gens qui aiment qu'on les pousse. Mais quand tu es déjà en première place, on peut sentir, on peut compter sur ces gens de personnes. Être en première place. Et nous avons des leaders dans le groupe de soutien qui soutient Radio Maria, les deux groupes que nous avons, nous sentons que vous êtes à votre place. Parce que malgré le programme de l'évêque, malgré le programme de la Légion de Marie du diocèse, et ici on avait aussi un autre programme, vous avez tenu à être à votre place. Et vous les responsables, que ce soit de la grande famille ou de la nouvelle génération, eh bien, vous êtes à votre place et vous êtes en place. Ce n'est pas donné à tout le monde de savoir quelle est sa place. Et dans l'évangile de Jésus aussi, on peut remarquer celui qui vient, qui prend les premières places, alors qu'il n'en mérite pas, au fond,
ce sont les gens qui ne savent pas dans la vie quelle est leur place. Quelle est ma place dans ma vie? Au regard de ce que Dieu m'a donné, au regard de ce que je suis, au regard de ce que les gens disent de moi, au fond, quelle est ma place? Quelle est ma place dans le cœur de la grande famille, moi qui parle? Quelle est ma place dans le cœur de la nouvelle génération, moi qui parle? Et nous devons nous préoccuper de savoir quelle est notre place. Et quand on sait quelle est notre place, souvent on évite les problèmes. Il y a moins de problèmes quand les gens savent la place qui incombe à chacun. Ce n'est qu'un problème de place. Et dans la vie, c'est aussi un problème de place. Quand nous savons où est notre place, on finit par s'y installer parce que nous savons que c'est notre place ici. Et si c'est ta place aujourd'hui, est-ce que c'est, ça veut dire que c'est aussi ta place demain? Après-demain, c'est aussi ta place? Non. Nous sommes assis à des places qu'on nous donne. Voilà pourquoi il dit, mais attends que le maître de maison, lui qui a organisé sa fête, qui te dise où est ta place. Au fond, pour être à notre place, nous avons besoin que les autres nous disent où est notre place. Et le premier qui doit nous dire où est notre place, c'est Dieu. C'est lui qui nous dispose. Parce que nous sommes à notre place, c'est pas simplement pour montrer que c'est notre place, mais pour porter du fruit. La place a un lien profond avec le rendement que nous devons nous donner. On est à sa place pour donner du fruit. C'est pour cela que nous sommes à notre place. Les choristes, vous êtes à votre place. Vous tenez aujourd'hui l'animation malgré le peu de place, voilà, qu'on nous a laissé à occuper. Mais on sent que vous êtes à votre place. Parce que si vous me mettez là, moi qui chante aussi mal comme un crapaud, on sentirait que ce n'est pas ma place là. Ce n'est pas ma place. Mais très vite, vous jouez votre rôle, vous êtes à votre place, vous jouez votre rôle et ça donne le rendement. Et c'est ça dont nous avons besoin dans la vie de tous les jours. C'est ce dont nous avons besoin dans la vie de tous les jours. Qu'on nous dise parfois où est notre place et que nous-mêmes, qu'on sache, c'est vraiment notre place. Parce qu'on peut nous mettre à une place qui ne nous correspond pas. Et donc si au fond de toi-même tu ne te connais pas, si tu ne connais pas toi-même aussi ta place, ça veut dire quelqu'un peut te mettre à une place où tu penses que c'est ta place alors que ce n'est pas ta place. Et beaucoup de gens dans notre société sont à une place où ils pensent que c'est leur place alors que ce n'est pas leur place et ils sont mal placés. Nous sommes très souvent mal placés. Voilà pourquoi ça va très mal. Ça va très mal parce que souvent nous sommes très mal placés. Mais qui doit nous placer? C'est Dieu. Seigneur, toi qui sais où est notre place, nous te prions de faire en sorte que ce qui nous anime nous mette à notre place parce que souvent il y a des ceux à qui tu inspires la place des uns et des autres. Mais voyons que cette place a plus de jus que l'autre, il nous déplace. Il nous met à une autre place. Voilà notre prière. Que le Seigneur inspire ceux à qui il a donné cette latitude de placer les autres et de mettre les gens à leur place. Parce qu'il y a de ceux, quand on voit un tel garçon, une telle fille, une telle dame, un tel homme qui pouvait bien porter du fruit en le mettant à la place, mais comme la place est juteuse, alors on va placer quelqu'un d'autre qui ne mériterait pas la place. Et souvent, nos places sont détournées. Que l'évangile d'aujourd'hui nous apprenne réellement à être à notre place. Mais aussi, la place que nous avons, quand nous avons occupé la place qu'il fallait, au fond, nous obtenons. Ou bien nous sommes placés à notre place dans le cœur de Dieu. Parce que chacun de nous a une place dans le cœur de Dieu. C'est là la grande préoccupation. Je suis à ma place, on vit de ma place dans le cœur de Dieu. Je suis à ma place, on vit de ma place dans le cœur de Dieu. Alors, combien nous pesons
dans le cœur de Dieu. S'il fallait qu'on occupe chacun notre place dans le cœur de Dieu. Que chacun entre dans le secret de son cœur pour demander à Dieu, est-ce que vraiment dans son cœur nous avons vraiment sa place? Ou n'avons pas encore la place? Ou ne méritons pas encore la place de Dieu? Mais aussi, quand nous sommes venus pour Radio Maria, quelle est la place de Radio Maria dans notre cœur? Il est question que de la place. J'ai entendu d'une leader ici qu'il y a de ceux qui ont envoyé, qui ont pensé envoyer leur contribution. Ah, parce qu'ils devaient être à Saint-François, ils ont envoyé leur contribution qui par Mobile Money Consort. On est préoccupé de sauver ce qui a une place de choix dans notre cœur finalement. Et est-ce que Radio Maria a une place de choix dans notre cœur? Pour certains oui, pour d'autres pas encore, pour d'autres encore ça va venir. Et donc nous prions pour que les auditeurs de Radio Maria qui nous écoutent accordent une place de choix à Radio Maria dans leur cœur pour venir en aide à Radio Maria quand elle est dans le besoin. Et parce que les besoins de Radio Maria sont connus. Et comme les besoins de Radio Maria sont connus et que Radio Maria a une place dans notre cœur, à ce moment-là, on fait ce qu'il faut pour maintenir notre place à Radio Maria et pour maintenir la place de Radio Maria dans notre cœur. Et vous voyez, tout est place dans la vie. La vie, c'est le placement. La vie, c'est l'emplacement. Et c'est cela la place, la spiritualité de la place. Le placement, l'emplacement, mais aussi le déplacement, parce que tu peux occuper une place de derrière et on peut t'avancer à une autre place. La vie, donc, c'est l'emplacement, le déplacement. C'est ça l'essentiel de la vie. Que Dieu nous donne la grâce d'être bien placé. Amen. Amen. Attends le main, s'il vous plaît. Manifeste notre joie. De toute l'église.
Regarde les présents déposés devant toi, Seigneur notre Dieu. Permets que notre célébration contribue d'abord à ta gloire par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En ce jour où nous célébrons la bienheureuse Vierge Marie, nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier, car elle a conçu ton Fils unique lorsque le Saint-Esprit l'a couvri de son ombre, et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus-Christ notre Seigneur. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. La source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment des librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le renie et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés, vous ferez cela en mémoire de moi. De ton Fils, nous t'offrons Seigneur le pain de la vie et la coupe du salut et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi Seigneur de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Miguel Angel Olaveri Aronis et tous ceux et toutes celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de toutes ces âmes qui ont été recommandées à cette Eucharistie. Souviens-toi à tous les auditeurs morts, ceux qui aimaient bien cette Radio Maria, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et diamant pour nous. Sur nous tous enfin, sur chacun de nous ici présents,
sur ceux qui se recommandent à ces modestes prières, sur ceux qui sont hospitalisés, sur tous les rabataires de notre radio, pour ceux qui sont dans des difficultés, qui attendent leur patient, pour ceux qui reconnaissent les bienfaits du Seigneur en action de grâce pour leur anniversaire de naissance, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus le Christ, notre Seigneur. Toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, sois sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse dans lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Jesus Christ.
ya inintiangu ina betu kebulakisa ngolo ya betu luzulu ya betu na Radio Maria betu kebulakisa kaya uri kaka na kutala mkuizulu ya betu awa yake ni mutinu ya kulakisa imeni luzulu kasi mkuizulu ya betu awa pe betu mkuiza maboko pamba vesa mna betu kuzabaka pe yake ya kuwaka na tibubu yae niki lumbu ina ya kuvwanda ngeki nama ya nouvelle generation ngeki nama ya la grande famille ntangu ya kulakisa bunene ya luzulu ya beto na Radio Maria pena nzambi ni ya wina mukeza ba kulomba baku na china munu kitunga muku kukita kwandi yao kitunga mangu pe beteza ba kubanda tete na bampangi ya beto ya nouvelle generation bayina keza ba kutirama beto nyonsi kesala mulunga mutindu beto keza baka kusatila yao kana mama mfumu na matuala pe mama meleke yandi kele kuna mubanza tsi beto nyonsi na manima ya yandi na wanima ya bampangi ya beti ya nouvelle generation kuna beti ya zaba kuluta na bayaya ya la grande famille kasi awa samuna kutelimisa na mbote nyoso bayaya nyoso ya nouvelle generation kabin technique beti kwenye yani mwosi para ya bakulofu ya kuru mewa kila manga ya me katasha kuru ya kuru Oh,
être de produire en nous ce qu'il signifie, afin que nous entrions un jour en pleine possession du mystère que nous célébrons dans ces rites, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Ni kukanga ya marathon inabito kufungula katu kambatu kulu ya ngona ya Oktobre. Pe mutindu yake de kangulu nyoso lenda kuluta mutindu inave. Pe malumalu ya imatondo na ba club de foot nyoso zoli. Baina mepiza kulakisa luzolo ya bao na kulakisa ti konsontangu bakele ya kutelama na kusadisa pe kusimba na mbote nyoso Radio Maria. Yatelika ngolo mepiza kusalama yame kutalana yime. Pe la grande famille Radio Maria yatelika bisalu mingi ina président mekuisa kusabisa ya kuvanda ba minda tu makabu ba mekuisa kupesa pe nazuri ya makabu ina ba mekuisa kupesa bame malumalu ya ba mekuisa kubwela en espèce 24,200 yiki ba mekusala nyoso internet ba bisalulu ya ntangu yae Nikuna la grande famille va me kubanza ti. Beto fana pe kupesa maboko na Radio Maria samu na bisalulu ina pe kukwena na mantwala. Nikuna bakle na dikabu ya telefona. Telefona ya ina pe kupesa dikabu na Radio Maria. Beto fana maboko na Radio kulakisa ngolo peluzolo ina beno kele na yao na kulakisa na Radio Maria penyoso samu na mkembo ya ya Yezu matondo mingi president ya lunga kati nekuzaba nyoso ina matondo envelope yani kina kubashisa na kati kuna mikanda ya kele la diploma menu zaba ti marathon yetu kusalaka yao na me ya mei na peyame kusuka nsukuna yao peni malumalu yao asamu na mablog de puti kasi nyosa muke pesa kinzonzi na president muke futula ya ndia. Merci tata Alain ni ina na kumanisa mume basa na ba envelope ba diplome zoli pourquoi parce que muke ndire tata muke na bamba pasa mune ndu pesa na motive et puis yimina ya kaka donc nina ba diplôme ke zoli ba diplôme zoli ya ke ba diplôme d'honneur décerné au club d'écoute pour la participation inestimable au marathon de mai 2022 première édition ba diplôme yango ya ke signé respectivement à le père Bovary, directeur éditorial et à radio, Yann Kelawa. On te met Salalomès, Yaboubi Yann. Et puis, signé par moi-même. Et pour terminer, Yaké peut signer na père archevêque, Yabeto, Monseigneur Miguel Angel Olabibi. Donc voilà, ma diplôme, ce sont des diplômes d'honneur pour le travail que vous faites. En tout cas, merci beaucoup. À vous. La nouvelle génération n'a plus à vous faire un diplôme. Maman Marie-Louise Ngimbi, toi d'ici, il y a une nouvelle génération. Maboko bayaya Maboko Matondo mi Beto ke kukukila na ntangu ya ipe Ntuadisi Mama mfumu ya Grand Familia Yo Marie Bagina kele kapa Yawya Mama siwa di kilongo Maboko bayaya
vous tous na père directeur, vous tous la Kinzons. Grande famille, Marie. Nouvelle génération, prière à mon fidélité. Nouvelle génération, prière à mon fidélité. Nouvelle génération, prière à mon fidélité. Peut-être tout va être Yabou Bandaka ou Yaïkele ou Soukissa. Ma tono n'a pas pleu venu en soli. Ça m'a dit que les moutines ne vont pas. On dirait même mieux comme des sangs sur une poitrine. Benomé pour la piste, Benomé pour Zola, Radio Yabedo, Radio Maria. Attaque au Bankoua Moussou, Betonioso, Mekouvana Moutou 1. Moi aussi. Bansatu ya radio kenemini ni yawi na atako krizi kena kukuamisa betu betu kikaka na manima ya radio Maria samu na kusajisa betu mwosi kundimanga yao baku konvokeke betu ve samu na kukreye ba club de kute ni betu mwosi mtuku kreyeke yao samu na kufanda kikuzi ya radio ya archidiocese ya betu mambo ya kufutuka jake na manima kilizi. Iyana butu, iyana moyi, tukubanga iloko mboko ho. Yee! Petu nyoso ke telama, samu na kusajisa radio ya bedi. Matono mingi, na bantu wajisi, pour cette marque de considération. Parce que on ne donne pas un diplôme d'honneur à n'importe qui. On donne ce diplôme à ceux ou celles qui ont marqué la personne. Et je crois que il a même coupé sa bête yaou. Il a fait sa diac avec ton golo. Ça m'a poussé la diac à mingi. Ça m'a radio avec ton couvain à ma toile. Merci, père. Merci à mon grand frère aussi, des Kanga. Merci à tous les techniciens qui participe à la bonne marche de cette radio. Cette radio qui réveille ceux qui sont malades. Cette radio qui redonne confiance à ceux qui ont perdu la confiance vu les tribulations de la société, vu les tribulations de la vie. Soyez encore plus féconds. Soyez encore plus courageux. Soyez encore plus astucieux dans votre bénévolat ou dans tout ce que vous êtes en train de faire pour notre radio. Et à tous et à chacun, matondo, matondo, matondo. Amen. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne fin de rosaire à toutes et à tous et bonne fin de Marie-Anton à toutes et à tous. On aide à l'évangélisation du Christ.
et nous y croyons fermement. Surtout ceux qui sont dans les maillons, ceux qui sont malades dans les maisons, dans les hôpitaux, ils suivent la radio Marie à 24 heures sur 24. Et moi qui vous parle, souvent j'ai même des coups de fil. Des gens qui m'appellent, je ne sais pas comment ils m'appellent, on me dit, mais maman, la radio ne fonctionne pas, qu'est-ce qui se passe? Je suis au côté de la prière, on est venu demander, parce que moi aussi, c'est ce que je pensais. Donc, pour vous dire l'importance de la radio Marie à pour celle de la population de Conjoint et même du Maillon de la Marie. Donc, ceux qui nous écoutent là, c'est s'il vous plaît, vraiment, nous devons aider la radio Marie. Ce n'est pas seulement les chrétiens de l'Église catholique, on a besoin de tout le monde. Mettre la main à la pâte. Même les évangélistes écoutent la radio Maria. Ceux qui sont dans le maillot écoutent la radio Maria. Il y en a que moi qui ai reçu des bas de monnaie. Les personnes qui sont dans le maillot m'ont envoyé de l'argent pour participer à ce maillot. Vous voyez qu'on aime bien la radio Maria. Donc nous devons tous conjuguer nos efforts pour que cette radio ne puisse pas ne pas marcher un seul jour. Même quand il n'y a pas d'électricité, il doit y avoir des gasoil et le groupe doit fonctionner pour que la radio Maria aille plus d'abord pour l'évangélisation de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci. Maman Sylvain Bilogo, présidente de la grande famille Radio Maria Congo. Nous sommes à la fin du marathon. Certes, le marathon vient de se terminer, mais tout n'est pas terminé parce que on attend encore vos dons. Donc j'appelle, je lance un vivant appel à tous ceux qui sont encore à la maison de venir donner de l'aide à la radio. Il y a tout un tas de choses à faire, tout un tas de choses à refaire au niveau de la radio. Donc je pensais que les temps sont durs, mais avec Dieu, tout est bon, pour rien n'est impossible. Donc à tous ceux qui sont, sont encore à la maison, venez une fois de plus donner à la radio, parce que Dieu aime ce qui donne avec Dieu. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup pour cette occasion qui m'est offerte. En fait, le marathon s'est bien déroulé. Le marathon deuxième édition, donc de ce mois d'octobre, et il vient de s'achever. En fait, le marathon ne s'achève pas complètement puisque la radio Maria est toujours là. Il y a les retardataires qui peuvent venir encore remettre ce qu'ils ont réservé pour la radio Maria. Nous pouvons dire que nous les avons atteints, ces objectifs. Quand on vend et marée, nous avons pu, parce que sur l'estimation que nous avons faite de 5 millions en tenant compte de la rentrée scolaire, de toutes les charges que subissent les pères et les mères de famille dans les foyers, voyez-vous, nous avons tenu compte minimum de 5 millions. Hein, mais à ce jour, je crois qu'on avoisine 3,5 millions voire 4 millions. Alors, parce qu'on attend encore la journée de demain, ce qui pourra rentrer de certaines paroisses et qui ont la sensibilité, justement. Il y a des paroisses généreuses. Voilà. Donc, on attend de voir ce qui va se passer demain. Et je pense que, j'en suis presque sûr, que nous allons atteindre au moins les 4 millions. C'est pour vous dire que, concrètement, dans les 80-85%, nous avons pratiquement réussi le marathon, une deuxième édition, voilà. Donc, pensez-vous auprès des auditeurs? Bon, mais auprès des auditeurs, je l'ai déjà dit tantôt, il faut qu'on prenne conscience que cet outil, voyez-vous, je l'ai souvent dit de manière, de façon simple, hein, pour permettre à ce que les uns et les autres, surtout nos mamans, nos papas, puissent le comprendre aussi facilement, voyez-vous. On vous donne du sakasaka. Vous avez un voisin, n'est-ce pas, ou un parent qui vous apporte du sakasaka, hein, mais vous n'allez pas demander à ce même parent de vous trouver l'huile, de vous trouver le manioc, de vous trouver les ingrédients, voyez-vous. Hein, c'est aberrant et c'est pas normal.
voyez-vous, ça décourage le donateur. Donc c'est pour vous dire que la famille mondiale fait un effort de nous aider pour cet outil d'évangélisation. Mais c'est à nous de la maintenir en marche. C'est à nous de prouver à la face du monde que nous sommes capables de gérer, cet outil, de s'en occuper. Et c'est ce qui permettra à ce que d'autres contrées aussi puissent bénéficier, n'est-ce pas, de cet avantage.